Bienvenue chez Rajapak. Dans le cadre de la qualité de service, nous avons mis en place une nouvelle organisation. Je vous propose de la découvrir avec Martin. Bonne visite. Le premier point de notre réorganisation, c'est la chaîne mécanisée qui fait qu'on a fait une automatisation de la préparation de commandes. Pour garantir que les colis partaient bien avec le bon transporteur, il fallait passer par pays. La situation actuelle est qu'on pense comme si tous les pays étaient un pays. Le WMS nous a donné des possibilités, par exemple le picking en vocal. Si un opérateur part maintenant pour faire le picking, il fait au moins 6 clients à la fois. Ça peut être 6 différents pays. Le WMS lui garantit aussi le chemin de picking idéal. Le deuxième point de notre réorganisation, c'était le stockage des produits petite et moyenne taille. À chaque catalogue, on ajoute des articles et pour s'assurer de l'avenir qu'on a pour chaque produit un emplacement adéquat, on a créé cette zone-ci. On a d'abord déménagé les produits volumineux pour par après créer ici sur 1080 m² 5400 emplacements. On fait le picking en vocal et on fait 12 clients à la fois. On fait le picking jusqu'à 10,5 m de hauteur. Le but du déménagement des produits volumineux avait deux raisons principales. Premièrement, la sécurité. Les gens qui circulent ici, ce n'est que les gens qui sont occupés avec les produits volumineux. La deuxième raison, c'est l'efficacité. On fait le picking là où on fait aussi le chargement, très près des quais. Pour la forte évolution du groupe, il fallait trouver de la place. Et donc, nous avons trouvé ce bâtiment-ci qui fait 20 000 m². Depuis janvier 2017, on fait le stockage. Depuis avril 2017, on fait le picking des palettes entières. Chaque jour, on charge 4 à 5 remorques qui vont en distribution directe à partir de ce DC.